Salut à tous. Bon, nouvelle semaine. On est lundi matin. J'ai démarré le 6810. On va aller curer la dernière bande de poulet chez Cyril là. Après, on en a pour 2 mois à peu près sans curage. Ça tombera bien justement, on pourra faire tous les semis de blé et tout. Ça s'est pas trop mal goupillé et tout, donc ça va vraiment bien. Hier, on a fait la récolte des haricots rames aussi. C'est ce que vous écoutez souffler, donc c'est les box qui sont en train de ventiler là, depuis hier. Donc depuis hier, là c'est 7h, 7h15, le lendemain matin, depuis hier, milieu d'après-midi en gros, les box sont en train de ventiler. Il y a une petite quantité, j'ai fait une petite modification sur mes containers pour pouvoir les ventiler. Et là, donc, je sais pas si vous voyez bien au fond, bah non, c'est super noir, mais je vous y ferai voir plus tard. Donc, il y a une petite nappe de haricots dans chaque box, un souffleur par box, et tous les 5-6 heures, je brasse un petit peu la matière pour que ça soit homogène et tout, parce qu'on a quelques bouts de gousses vertes qui sont dedans, et des grains qui étaient moins finis, parce que comme le haricot a un cycle qui est continu, il y a un moment où il faut l'arrêter, et on a des grains qui sont plus ou moins terminés. Il y en a qui sont presque trop secs, et d'autres plus verts. Donc il faut essayer d'uniformiser ça et ne pas ensacher ça avec des grains qui seraient pas secs en conservation, on serait pas bon. Donc là, ça se passe bien. Maintenant, on va aller curer chez Cyril et cet après-midi ou demain, ils ont l'air enfin de remaintenir un petit peu de pluie pour le week-end prochain. Donc je ne sais pas si j'attaquerai cet après-midi ou demain, mais je vais semer le soja, le colza, pardon. Mais comme je vous l'ai dit, sans le couvert associé, je pense que je vais semer uniquement le colza. Je me pose même la question de la fertil localisée. Nous verrons ça. Allez, c'est parti. Allez, je suis plein, direction la parcelle, on va aller vider tout ça. Deuxième tour, ça en reste plus qu'un à faire avec celle-là. Mon père va faire le deuxième tour avec la 14 tonnes jaune là. Et puis on aura fini ce curage, passe à la suite. Bon voilà, début d'après-midi, plus de 30 degrés pour un mois de septembre, ça chauffe. Comme vous voyez, elle est bien pleine. Cyril avait une autre race de poulet qui gratte un petit peu plus la litière, qui lui donne plus de volume. Et d'habitude, on passe en 5, la dernière est demi-pleine, alors que là, elle est vraiment bien pleine. Alors, elle est bien pleine en volume, mais en quantité, enfin en poids, je suis à 2000 charges à peu près de la remorque. On va dire à peu près 9 tonnes, mais pas beaucoup plus. C'est sûr, non, normalement. Bon allez, je vais aller finir de vider ça. Et on va aller s'occuper, je pense, du cueilleur. Je vais voir, enfin trouver quelque chose à faire un peu à l'ombre parce que dehors, c'est insoutenable. Et puis il y a le vent, c'est infernal à travailler dehors. Allez, remorque vidée. Bon, comme vous le voyez, là, ça commence à faire un bon petit tas. Donc là, on a l'équivalent de 9 poulaillers de 440 mètres carrés, enfin 9 curages de 440 mètres carrés. Vous voyez un petit peu ce que ça représente en volume. En poids, c'est pas énorme, hein, c'est pas très très lourd, comme je vous disais précédemment. Le but, ça sera de la porter sur tout ce qui est déchaumé, là. Tout le bas que vous voyez qui est déchaumé jusqu'au maïs là-bas derrière. Donc tout ça, ça sera apporté avec là le fumier. Et d'ici là, en espérant qu'il pleuve fin de semaine et que le couvert en haut puisse se développer, on mettra sur un curage futur qu'on va avoir début décembre,
Alors début décembre et puis entre Noël et le jour de l'an, normalement le suivant, de où on a curé ce matin justement. Donc ça je le mettrai sûrement derrière le couvert, là-haut, pour les tournesols. Mais on verra d'ici là. Allez, retour à l'exploitation. Nouvelle journée et pas des plus fraîches. Bon, comme vous le voyez, je suis avec le 6R, le 750. Je suis en train de semer les colzas. Bon, comme je vous l'avais dit, semi-économique, je mets en gros que la semence. Couvert associé, j'ai oublié. Donc, on va essayer de faire ça à moindre frais. En espérant, croisons les doigts, quelques précipitations ce week-end, mais d'ici que la vidéo sorte, on y verra plus clair aussi là-dessus. Et ensuite, ça me permettra déjà de libérer pour aller semer. Je vais essayer de semer toute la fin d'après-midi. Là, c'est déjà 17h presque. Ça m'en reste 25 hectares. Je vais essayer de faire tout ça ce soir. On va voir à la fraîche, début de nuit. Le but, c'est de me libérer aussi le 6R parce que je vais en avoir besoin pour mettre devant le dolly et attaquer la récolte des tournesols. Voilà. Allez, je vous fais quelques images un petit peu de tout ça. J'ai vu quelques images de drone, là j'ai l'alarme de fond de prémie et on voit à la caméra que je vais arriver à la fin de cette variété. Donc là, conditions sèches, effectivement on sème dans la poussière, dans la terre super fine. Donc bon, l'avantage de la terre super fine c'est que le minimum d'eau va faire germer rapidement, mais on sème dans la poussière. Donc ça c'est pas terrible, mais bon. Faut arriver à trouver à mon compromis. Donc là, je viens de semer tout le tour et une partie ici, j'historise comme d'habitude avec Climat. Donc ici, je suis en train de semer une variété lignée, donc une variété que je pourrais ressemer sans souci l'année prochaine pour multiplier de la semence et avoir un coût d'implantation plus réduit que je n'ai pas aujourd'hui. Donc là, je vais encore en semer deux autres variétés de lignées, plus précoces, plus tardives. Donc un petit peu différent pour avoir un petit peu maillage et pouvoir comparer les rendements de chaque variété. Ensuite, quelques essais de variétés hybrides. Donc là, je vais devoir vidanger la trémie plusieurs fois et remplir pour des petites surfaces, un aller-retour par exemple à peu près, pour chaque variété sur ces essais hybrides. Chaque variété en fait je descends
j'ouvre, je vidange tout mon doseur, je pousse toutes les graines qui peuvent être sur les côtés, je mets dans donc comme je sème pas jusqu'à la dernière graine, je mets tout ça dans un seau, une bassine sur le côté, et en fait après j'aurai une borne de colza tout mélangé, mais au moins ça me permet d'avoir une pureté variétale dans ces essais là que je suis en train de faire maintenant. Donc en fait, compte tenu même des doses, la taille des doses, je peux faire qu'une passée. Bon, l'arrêt est un peu longue sur la parcelle là, je peux faire qu'une passée de 6 mètres. Donc à la récolte, il faudra que je prenne pas tout à fait ma coupe entière pour pouvoir trouver les rendements de chaque variété. Donc voilà, je viens de terminer tout ce qui est semis de variété lignée. J'ai attaqué dans l'hybride. Donc maintenant, j'ai bien avancé la parcelle. Si vous voyez, donc, hop, on va aller sur le total. Je suis à 19 hectares de fait. Il en reste 12. 95 litres de consommation. Donc vous voyez, en gros, on est sur du 5 litres à l'hectare. Débit de chantier 6 hectares heure, je suis à 11 km/h, pour faire les demi-tours, 6 mètres, 6 hectares heure, donc là ça avance quand même pas mal. Bon, allez, ça va être 20h, le temps d'aller casser une graine, et je reprends juste après pour terminer, 12 hectares, bon même qu'il fallait changer, parce que j'ai plusieurs hybrides aussi, mais bon, 3 heures de boulot au maxi, après minuit, ça sera terminé, comme ça demain, on pourra tout dételer, déjumeler, dépler le porte-engin du Dolly, atteler la Kaiser et se préparer pour les moissons de tournesol. Allez, je vous reprends tout de suite après. C'est reparti, 21h10, casse-croûte pris, on va essayer de terminer tout ça, ça m'en reste un petit peu, ouais, 12 hectares en chiffre rond, ça devrait le faire. J'ai de la semence, donc j'ai rechargé tout le reste qui me restait de cette variété d'hybride, là vous voyez pas, ça repète, et plus 3 doses encore d'une autre variété, donc là j'ai mis 3 et 3, donc ça fait 6 doses. Je suis largement bon, j'ai largement de quoi finir, pas besoin de retourner à l'exploitation, malgré que ce soit en face. À chaque fois que je reviens, je gagne pas forcément bien du temps.
vous venez de le voir, ça me reste à peine 3 hectares, on va dire, avec les recroisements à finir. Bon, les raies se réduisent, ça me reste au compteur, ça doit faire 20 passages, donc 10 allers-retours. Mais comme je vous dis, on est sur le dépoint, donc les raies se réduisent, on fait plus souvent demi-tour et on perd un petit peu de temps aussi. Bon, on peut voir ici, là maintenant, ça ébouille peut-être un peu moins, je sais pas si vous le voyez très très bien à la caméra. Bon, il reste encore un petit peu de semences, mais on n'ira pas jusqu'au bout. Donc là, je suis en train de semer, je ne vous ai pas dit, je suis en train de semer en gros 50 à 55 grains au mètre carré selon les variétés. Alors c'est peut-être un petit peu épais, d'autant plus que je sème qu'avec la première rangée du semoir, donc les éléments 1 sur 2, qui fait un semis un petit peu plus de 30 cm d'écartement. Alors pourquoi je fais ça? Ça permet de serrer un petit peu plus aussi dans le rang. Bon, on verra. Ça couvre peut-être un peu moins vite, effectivement, mais bon, tout ce qui est semis au monograine, c'est à des semis souvent beaucoup plus espacés, 45, 50, voire certains qui sèment à 60 cm aussi, donc c'est encore le double de ce que je suis en train de faire là, donc on verra. C'est un peu un test. D'habitude, à chaque fois que je mets avec le 1650A, je se mets à 16,6, donc tous les éléments à 16,6 cm. Là, ça fait deux fois, en gros 33 pour faire ça. Voilà. Allez, je termine tout ça et puis demain, un petit coup de soufflet d'après tout ça et on démonte tout l'ensemble. Nouvelle journée, donc j'ai fini de semer, c'était 1h du matin. Ce matin, je me suis occupé de vider un des box de semences qui a été ventilé pendant un peu plus de 48 heures dans la remorque. Là, donc ça c'est la semence, un des lots. Ça fait pas des grosses quantités, mais il n'y a pas une grosse surface non plus. Donc là, on peut voir que ça a été tout ce qui était débris vert, donc ça les a bien séchés. Donc ça apporte plus d'humidité dans le lot. Donc après, il faudra bien sûr que ça soit trié, mais ça sera trié à l'usine. Donc on voit quelques grains cassés, mais il n'y a vraiment pas grand chose, hein, ça saute aux yeux. Et on voit ça, donc ça c'est du bec de lièvre. Donc en fait, c'est un phénomène, c'est quand le haricot pousse un petit peu trop vite, l'enveloppe ne pousse pas si vite que l'amande du haricot. Donc voilà. Allez, ce matin on va aller préparer, donc dételer tout le cissère, le déjumeler. Donc il faut que je trouve une petite place pour foutre le 750 et qu'il ne m'embête pas après, avant les semis de blé, on va dire. Je pense que je vais aller le redételer, fermé, plié à l'atelier là, la trémie frontale devant ou ailleurs, peut-être ailleurs même. Et puis on va atteler après le dolly, dételer le porte-engin, atteler la caissière. S'occuper sur la batteuse, il y a 2-3 bricoles à faire, faut que je ressouffle et puis elle sera prête pour faire les tournesols. Allez, c'est parti. Je vais commencer par déplacer le 6810. Qui est devant les portes de l'hangar, bien sûr. Faire un peu de place pour que je puisse manœuvrer dans la cour avec le semoir et puis surtout le télescopique pour enlever le jumelage. Allez hop, elle, on laisse bien sûr atteler au 6810. Elle servira pour rouler aussi les tournesols. Si on roule à deux comme ça, la Kaiser plus la Téna. Ça fait des bons volumes, le temps que je charge une remorque, on a le temps de les vider. La suivante. Faut ouvrir les portes en grand pour qu'on puisse passer. Non, mais un tracteur qui fait 4,40 m dans des fermes de 5 avec la largeur des IPN, ça fait juste. Bon, ça passe, mais faut ouvrir et s'aligner propre. Allez, on va mettre le 750 tout au fond là. J'ai pas de chantier à faire spécialement à l'atelier ces jours. Donc ça attendra justement les semis de blé tranquillement.
aussi. Je crois qu'on a travaillé dans la poussière et ça se voit sur le tracteur, mais pas que sur le tracteur. Non, vous voyez, sur le semoir un peu. Il est bien tartiné. Donc déjumelé, j'ai mis le coffre devant, donc là il est prêt, équipé pour aller faire du transport. Je viens de remettre la chape pour atteler le dolly et cet après-midi donc on va gonfler avec le porte-engin pour pouvoir le déplacer, le dételer, atteler la caissière, s'occuper de la moissonneuse. Je pense que je vais pas attaquer cet après-midi, mais au moins tout sera opérationnel pour attaquer demain la moisson des tournesols tranquillement. De toute façon c'est pas mûr partout, donc pas d'affolement, on va faire ça. Justement, si ça pouvait pleuvoir pour faire lever les colzas et en plus pour terminer de faire mûrir les tournesols, ça serait parfait et la semaine prochaine on pourra réellement avancer dans ces moissons là. Comme vous venez de le voir sur le timelapse, cet après-midi on a consacré un petit peu de temps sur le cueilleur, donc on vient de monter toutes les pointes à l'avant. Benjamin s'est occupé de faire un faisceau pour le repliage du cueilleur, donc tout ça, ça marche. On avait déplié de façon un peu archaïque et on repliera maintenant de façon traditionnelle. Là, j'avais mon quart d'heure d'entraînement côté droit qui était bon en distance, parfait. Par contre, côté gauche, il était peut-être un petit peu trop long, donc il vaut mieux trop long que trop court. On peut le raccourcir, donc j'ai mis un petit coup de meuleuse. Et là, on est bon, donc ça c'est branché. Donc parfait, maintenant je vais pouvoir remettre le capot là. Ça me reste simplement après à régler l'angle, donc son plastron à l'avant. Comme je vous avais dit, j'ai pas besoin de régler le convoyeur, donc ça me reste à le mettre au milieu de la cour, le placer en condition plus ou moins de travail et le régler donc qu'il soit à peu près parallèle au sol pour avoir cherché les épis les plus bas et avoir un broyage de qualité. Donc je vais m'occuper un peu de ça et après ça me reste juste la rampe de phare à l'avant, donc les feux stop et les clignotants qui peuvent se mettre à l'avant pour le transport à monter. Il y a deux supports à mettre sur une barre qui est déjà toute faite. Par contre, on a l'orage qui commence à monter. Je ne sais pas s'ils n'avaient pas annoncé, je ne sais pas si ça va tomber ce soir. Et si ça tombe, ça serait quand même grandiose. J'ai fini de semer la nuit dernière, ça serait quand même pas mal. Croisons les doigts, si ça pleut pas de toute façon. Cissère, Dolly et la benne Kaiser sont attelés. On ira à la moisson du tournesol, la machine est prête, il y aura juste à dételer le cueilleur. Bon, donc je viens de sortir dehors avec la machine et le cueilleur attelé. J'ai fait jouer mon plastron à droite et à gauche en dévers. Le but c'était de voir si bien sûr que j'aille pas en butée de mes coupes de cardan, que tout marche, que j'aille d'un côté ou de l'autre et que ça aille pas taper au fond dans la butée du cardan. Bon, tout se passe bien, donc ça c'est parfait. Par contre, dernier point qui va me rester à faire en réglage, ça va être donc effectivement de modifier l'angle ici. La tâche, on peut la faire varier. Donc ce qu'il faut, c'est que j'aille la pousser. Donc là, elle est au maxi, le cueilleur en fait, au maxi comme ça. On va faire l'inverse, de le pousser tout au fond, qu'il soit plus à plat. Parce qu'en fait, si vous voyez, mes écrasses-tiges, donc là il a les béquilles, mais les écrasses-tiges ne sont pas assez par terre. Et là, mon broyeur devrait travailler un petit peu plus à plat. Ce qui permettra en plus d'aller chercher plus les épis plus bas sur les chaînes cueilleuses sans que mes pointes touchent par terre là, parce que là elles sont largement bien assez posées. Donc on fera ça, mais ça il faudra le faire dételer. Donc ce qu'on va faire, c'est déjà le replier maintenant. Pour le replier, c'est tout simple, on a juste une fonction. Donc si vous voyez là, j'ai mes fonctions de rabatteur, de pousser ou tirer mes rabatteurs sur la machine. Donc là, en fonction normale, donc j'ai mes plaques avec l'indicateur, donc vous voyez les plaques qui s'ouvrent et qui se ferment devant. Donc les plaques cueilleuses, c'est les plaques où choquent les épis quand ils sont tirés dessous par le cueilleur et qui montent ensuite dessus par les chaînes que vous voyez avec les petits pions. Donc ça, en fait, cette fonction là on l'a quand on est au champ.
Et quand on l'a replié, j'ai juste un interrupteur, tac, et là, on passe en mode repliage. Donc les capots de chaque côté se relèvent avec un vérin, et ensuite tous les éléments des deux côtés. Donc là, vous voyez, le cueilleur refermé, beaucoup moins volumineux. Il fait à peine la largeur de la machine, même avec les entraînements, vous voyez, il fait à peine la largeur. Bah, comme un 4 ans, en gros, maïs, à peine plus avec les entraînements de chaque côté, comme c'est un double entraînement. Donc maintenant, ce que je vais faire, bah, c'est faire mes supports, là, enfin mettre les supports pour les plaques, la plaque que je vous ai fait voir en vidéo, qui va devant avec l'éclairage. Là. Parce que quand on est quand même dans cette position-là avec le cueilleur, les clignotants, on les voit pas sur la machine. Et là, au moins, on peut avertir les usagers de la route correctement. Montage fait, donc simplement c'est ces supports là, on a une goupille là, on enlève la tirette, on lève un peu, on tire et la plaque s'enlève de devant, comme vous voyez, donc ça permet d'avoir des veilleuses plus les clignotants droite et gauche. Après on peut rajouter au milieu un panneau qu'on voit agricole, je le ferai peut-être, on verra. Allez, nouvelle journée. Donc je viens d'arriver sur la parcelle, début des moissons, on est tournesol, j'ai appuyé la coupe, ouvert la trémie, le cisser, la kaiser, pour rouler, j'ai paramétré donc climat et la moissonneuse batteuse. On n'a plus qu'à attaquer, c'est parti. Allez, première trémie. Alors cette année, j'ai mis les corbeilles maïs pour faire le tournesol, c'est du régal. Alors là, on a des tournesols qui sont secs, qui sont à 6 d'humidité à la machine. Je pense qu'elle est à peu près étalonnée, au maxi il est à 7, donc il est vraiment sec. Mais plein de sèches aussi. Mais alors là, c'est rien à voir, la machine x2 en débit de chantier. Là, je travaille entre 7 et 8 km/h, c'est franchement plaisant à travailler. Et vous voyez, donc du grain qui est plutôt propre, pas de casse. J'allais vérifier que j'ai pas de perte derrière, mais bon, mon étalonnage, j'ai repris ça de l'année dernière, donc en facteur d'étalonnage, donc il n'y a pas de raison qu'il y ait trop de soucis. Allez, première trémie faite, continuons. Bon, donc pour vérifier, je mets pas les contre-couteaux sur le broyeur en sortie de cam, mais pour vérifier que tout est bien battu, bah, on contrôle les bons morceaux de tête que l'on trouve derrière, et vous voyez, ils sont complètement vides de grains. Et là, il y a un morceau un peu plus gros, c'est complètement vide. Et derrière, on va chercher les pertes si j'ai des vents qui sont un peu trop forts. Mais franchement, il n'y a pas l'air d'avoir grand chose, même rien du tout. Donc ça semble plutôt pas mal. Alors des tournesols un petit peu clairs. Mais bon, bah, ils ont compensé un petit peu sur les têtes. On verra ce que ça donnera. Donc là, je suis chez Nico, hein, en train de couper. Bon, c'est de la terre qui est plus légère, hein, là sur le haut aussi. Moins de réserve hydrique. Donc des tournesols qui ont dû souffrir, comme ailleurs, de la sécheresse. Allez, seconde trémie, c'est parti. Bon, j'espère que vous avez aimé ces quelques images au drone. Donc là, je suis en train de battre. Même procédé que l'année dernière, vous voyez, je suis un petit peu en travers des rangs. Le but, c'est de pouvoir
faire passer des câbles un peu dans tous les doigts et ne pas se retrouver pile dans l'axe comme on est 80, ce qui fait pourrer dans les contours. Il faut faire attention, il faut plutôt conduire un peu en zigzag pour faire passer sur deux sections différentes. Quand la même section se retrouve pile sur une règle, ça fait beaucoup avaler pour elle. Et des fois, on bourre et on fait des tas de tournesols qui n'arrivent pas à être coupés correctement. Donc c'est pour ça que je coupe comme ça, on prend juste un biais assez léger et ça va tout seul. Et après, c'est même presque aussi un petit peu mieux pour faire du rebroyage, ça permet de prendre les rangs. Et on a les cannes qui sont un peu de côté, donc on n'a pas tendance à faire coucher les cannes complètement, ça les prend un petit peu mieux. Mais vous verrez tout ça dans la suite des vidéos justement que je vous ferai. Allez, moi je vais casser la croûte, j'ai prévu une journée un petit peu chargée, donc je casse la croûte dans la machine, histoire de ne pas perdre de temps. Voilà. Allez, retour, première benne livrée. Ça n'en reste plus qu'une petite, une demi on va dire. La majorité a été coupée, rendement entre 20 et 30 bientôt. Humidité 8,4, donc bon c'est mûr mais il faut tout. Alors pourquoi 8,4? Une partie qui était à 6 et une partie qui était plus élevée là. Cette parcelle que je suis en train de faire actuellement, là, on est plutôt à 30, un bon 30 quintaux de moyenne. Par contre le long des arbres là, ça se tient beaucoup plus vert. Les tournesols sont, les têtes sont encore bien jaunes et tout. C'est un petit peu plus humide. Bon, mais ça fait une moyenne, c'est tout bon, ça passe. On va aller terminer tout ça maintenant. C'est assez flagrant là. Dans une zone là où c'est plutôt 28 quintaux, 26, 28, 30 quintaux, quand on est tout de suite là, vous voyez là, un petit peu plus jaune de bas de la parcelle là, on monte de quasiment 5 quintaux en instantané. Donc ces endroits là, c'est les natures de sol, les potentiels de sol. Par contre, vous pouvez voir que les tours de sol sont vraiment archi propres. Donc là, comme l'a dit Alexandre dans sa vidéo la semaine dernière, il y a deux semaines, je ne sais plus. C'est l'essentiel du désherbage est fait par la couverture du tournesol qui étouffe tout ce qu'il peut avoir dessous. Le but c'est d'avoir une belle culture pour qu'on ait des champs propres. Allez, je termine tout ça. Vidange de la dernière trémie, donc la dernière parcelle en fait en quintaux en l'occurrence, voilà, donc là.
Fin des moissons chez Nico de Tournesol, donc ça c'est fait. Maintenant je vais monter un petit peu plus au nord, c'était pas tout mûr. Je vais continuer d'en faire un petit peu demain en prestation. Et moi on verra la semaine prochaine selon les conditions météo. De toute façon, si ça pleut, je m'occupe de trier les semences pour le blé et 2-3 bricoles d'entretien que j'ai à faire. Si ça fait beau, et ben on poursuivra sur les moissons de Tournesol. Voilà, j'en termine pour cette vidéo. On a fait, je pense, pas mal de choses. Et je vous dis à la semaine prochaine, un bon dimanche à vous tous et puis à la prochaine, ciao, bye bye, salut.